Demacia! L'heure n'est plus à la rigolade, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute dernière, enfin non, cette avant-dernière vidéo du chat bleu qui se classe. Je suis MTA Blue Cat et aujourd'hui pour ma dernière game de placement. What? Attendez, je viens juste à l'instant de me rendre compte qu'on m'a match avec des gold players et un silver. C'est un présage plutôt bon. Ça signifie que je vais finir gold ou silver, ça? Bon, enfin bref, pas d'importance. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le mieux possible. Je suis peut-être le moins bon de la team. Mais j'ai un avantage considérable. Je joue mon main jungler, à savoir Rengar. Et attention, petite particularité, par rapport à la première vidéo où je l'avais déjà joué. Il a été modifié par un patch, ce qui fait que désormais les bolas sont devenus un skill shot. Et l'ultime a été légèrement modifié. Cela dit, bon, bah, j'ai réussi à m'adapter au nouveau Rengar et je peux vous assurer que vous ne serez sans doute pas déçus si je réussis bien mon early game. Et effectivement, je sais plus qui avait dit ça, c'était le Draven ou la Harry qui avait dit que c'était fort probablement une Morgana support et c'est effectivement le cas. Ça m'ennuie ça. Ça m'ennuie. Enfin, il y a tellement de champions OP à ban en ce moment. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle des piques et ban, alors bon, bah les... Oula, bah c'est... ça a chargé assez vite. Bon, bah les piques, j'espère que vous avez eu le temps de les voir. Sinon, bah tant pis. Ce que je vais faire... Remember every kill. Je vais commencer à mon bleu, comme d'habitude. Alors, donc, oui, les piques et ban. Donc, ben, comme c'était encore moi qui pouvais ban du côté de mon équipe, j'ai pas changé mes bans par rapport aux classés précédentes, c'est-à-dire que j'ai préféré ban Jax, Nasus et Akali, parce que je ne les aime tout simplement pas. Bon, Jax, c'est le mec qui a besoin d'un seul item pour... Je sais pas ce qu'il... Ah, une ward, ok. Sauf que... Bon, c'est pas grave. Oui, donc je disais, ouais, Jax n'a besoin que d'un seul item pour devenir assez... pour rouler sur la gueule de tout le monde. Akali, ça n'a besoin que d'un kill, et Nasus, ça n'a besoin que de farm. Ok, alors... Ils ont énormément d'AP, effectivement. Next time, try to leave a dent. Minions have spawned. Je crois qu'exceptionnellement, je ne prendrai pas mes tabis ninja, mais plus mes sandales de mercure. Ça me ferait du bien. Surtout que Brand peut stun, Morgana peut cage. Ouais, ça ferait pas trop de mal. Résultat, les bans de l'équipe adverse. Maître Yi, Shyvana et Kassadin. Bon, Maître Yi, c'est tout à fait connu, hein, c'est... Le mec qui n'a pas... voilà. Pour le rendre vraiment OP, il manquait qu'un stun. Pour ce qui est de Shyvana, c'est vrai que c'est un jungler DPS qui peut s'avérer assez pénible. Et alors en top lane, c'est un tank qui s'avère tout aussi pénible. Ou un DPS d'ailleurs qui peut s'avérer tout aussi pénible. De toute façon, que vous jouiez Shyvana tank ou DPS, ça change pas grand chose parce que ça fait vachement mal. Et pour finir, bon bah Kassadin. Qui a été up sur le dernier patch. Et en fait, le up l'a remis pas vraiment au niveau du super OP qu'il était, mais bon. Il reste quand même assez impressionnant, ça reste un champion avec énormément de mobilité qui peut aller défoncer rapidement n'importe quel ADKRI. Il n'y a rien de pire qu'un Kassadin qui rôme, alors justement pour éviter les petits problèmes de genre, on a préféré ban Kassadin du côté de l'équipe adverse. Moi personnellement j'aurais pas pensé, franchement j'étais très occupé avec les champions qui snowballent vraiment très facilement. En même temps, je ne pouvais pas tout à fait savoir que mes partenaires seraient des gold players et donc qui n'auraient pas trop de mal avec les champions qui snowballent comme ça. Alors, je vais passer par là, comme d'habitude.
Je pense pas que la vie soit en mesure de me counter jungle. On est tout aussi fragile l'un que l'autre. Attends, je suis pas encore là, Coco. Je suis pas encore là. Putain, c'est vrai qu'il prend cher. Il va se faire un gank parce qu'il a énormément de creep là. Il peut farm sous tour. Ah non, il décide de le harasser un petit peu. Oh putain! J'aurais dû me tirer. Bon, j'espère qu'au moins. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Bon, je vais tout de suite partir là-dessus. Voilà. Voilà. Je vais partir là-dessus et je vais prendre Bob la Pink. Monsters can be made to fear. Ok, donc j'ai vu que la vie était allée gank au mid. C'est pas plus mal, parce qu'elle a foiré son gank, enfin j'espère. Harry a pas pris trop cher, s'il prend, il a quand même pris un niveau sur elle. Et du côté de la botlane, c'est pas très bien barré non plus. Je voudrais intervenir, mais j'ai peur que ça se passe mal en fait. Et puis, je crois que son courant, sauf que je suis là. Il n'y a aucun doute là-dessus, je vais plutôt aller mid, mais d'abord Bob la Pink. Bob la Pink parce que je veux vraiment espionner chaque mouvement de la vie. Oh putain. Bon, c'est pas mon jour, on dirait. Strike when ready. Je vais aller refermer un peu dans ma jungle parce que là je suis en train de perdre de l'expérience et un peu d'argent. Alors j'attends avec impatience la sortie du nouveau skin de Rengar. Le seul problème c'est que Riot a décidé de sortir beaucoup de skins en même temps, ce qui fait que ben, pour rentabiliser un petit peu, ils ont décidé de ne pas les rendre disponibles d'un coup. Là je vais fermer un peu dans ma jungle et après je vais aller faire le bleu de la Harry. Résultat, je vais pouvoir revenir top un petit peu après. Donc là pour l'instant ça hard push du côté de la bot lane, je vais aller quand même mettre une ward dans leur tribush parce que si jamais il y a une vie qui décide de venir, je pourrais les mettre au courant assez vite. Parce que là franchement si je joue vie, là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller faire un gank mais bot lane immédiatement. Voilà. Oh là 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 là. Il a vraiment du mal le Darius, mais je peux vous assurer qu'une fois qu'il aura du farm, son passif va faire tellement mal que saura que pouvoir plus faire grand chose. Ah punaise. Les sbires caméra, les sbires caméra, putain. Catch the trail. Pas grand chose que je puisse faire. Oula oula oula, c'est quoi ça? J'ai perdu du. Ah, il sait que je suis là. Cool. J'ai perdu un peu de FPS. C'est marrant, chaque fois que je joue Rengar et que je m'apprête à faire un gank, je sors d'un gank. Les FPS se mettent à tomber méchamment. Bon, on va essayer d'éloigner le bot, mais surtout je sens que la vie va faire un gank. Voilà. Ok. Sauf que j'aurais peut-être été un petit peu plus juste. Ouf.
C'est un petit problème qui a la forme d'un coup de poing, les gars. Vous êtes fait gueuler, les gars. Je peux pas vous aider, les gars. Je vais faire le bleu de la Harry, les gars. Ah putain, il s'est fait défoncer, Draven. C'est con parce que je comptais récupérer mon level 6 et faire un gang top. Je vais attendre qu'il revienne. J'avais un peu la Soraka maintenant. Je l'avais hein, pas du tout maintenant. J'aimerais aussi que la botlane soit bien dans sa game, histoire qu'on puisse se faire un Drake rapidement. Je vais arriver top. Je crois que ça va être un peu chaud, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Je voulais aider le mid, je voulais farm un petit peu. Parce que là franchement ça sera pas mal. Si j'arriverai à l'avoir. Non, je l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. Après, je vais checker mon ghost. Ça va, c'est 3 minutes de cooldown. Mais bon, si jamais je me fais voler, je pourrais pas faire contre lui. Allez. Je pense que si je vais faire un petit tour en... Le problème c'est que la botlane elle a push et elle se fait avoir sur un gang de vie. Donc je... La seule chose que je pourrais faire c'est les camper botlane en attendant que la vie arrive pour faire un counter gank, mais... Le problème c'est que si la vie vient pas, bah je vais perdre mon temps. Et je ne veux pas perdre mon temps. Oh là, ils sont tous sur... Ok, là... Là c'est la guerre. Et la guerre, mais pas n'importe comment. Là, ils veulent vraiment sortir le Darius. La vie, elle se promène soit dans sa jungle, soit dans la mienne. Attention. Je crois qu'un bon counter gank, ça lui ferait les pieds, sauf que elle me met un niveau, la vie. Là, je vais avoir du mal. Salut. Ça va bien ? Tu m'as l'air de dire, je te vois. Il essaie même pas. A true hunter never rests. Je vais aller voir notre Tribush ici. Voilà, des fois que la vie voudrait faire un petit coucou dans la zone comme ça. Je peux pas faire grand chose pour l'aider là le Darius parce que... Le problème c'est que là je veux surtout empêcher Vi d'être sur les bons coups parce que si jamais il va faire assez rapidement. Pour l'instant elle a un kill quoi. Ouais. Bon, je trouve qu'elle fait beaucoup trop d'apparitions en botlane donc moi je vais y aller. Je vais y aller mais je veux que mes équipiers suivent. Donc, je veux dire, je suis là mais pas tout de suite. Restez prudent, et si vous vous sentez prêt à faire un move, allez-y. Sauf que je crois que je suis gaulé. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où elle est, ce que je vais faire. Comfort breeds weakness. Tac, voilà. Et si je parviens à ult... Ok. Strike when ready. Voilà. Ça, c'est l'utilisation judicieuse de la vision. Maintenant. On va mettre la pression un petit peu là. Voilà. Et la Soraka s'est faite buter par le Darius. C'est bon, tout s'arrange. Voilà. Salut. Ah, plus de flash pour Brandt, ok. Ah.
C'est bon, je vais y aller. Ouais, c'est marrant. Tu me fais des dégâts. Tu m'as claqué un smite. Un smite, un ignite là. Un ignite avec ton passif. C'est cool. C'est moi ou y'a plus de Morgana là? Il est pas AFK? Ah oui, tiens, on dirait qu'elle a AFK depuis le niveau 4. Ah, on est à 5v4. Bon bah, il faut qu'on en tienne... Alors, jamais... Voilà. Walk the killer's path. Lesser creature. I'm just getting started. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller faire un petit tour au top. Ah non, le drake, pas con. Pas con, mon petit gars. Allez, c'est parti, on y go. Oui, donc la trinquette bleue avec Rengar, comme je le disais dans le premier épisode, c'est vraiment exceptionnel, parce que vous êtes toujours... Ouais, c'est bien ce que ça. Alors, je fais 570. Non, en plus on m'offre la dernière victoire, je vais... C'est pas plus mal que je lui donne le blue buff une fois qu'elle sera revenue. Oh, attention, ouais, il y a du monde là. Tirez-vous parce que... Ouais, c'est bon. Brandt, il a l'air d'en vouloir. Non, c'est bon. Strike when ready. Je vais redonner son bleu à Harry, parce que je sens qu'elle se débrouille très très bien. Donc, félicitations, tu as mérité ce prix. Voilà. En plus, c'était donné super rapidement, je suis content. Bon, c'est bien. Alors, c'est vraiment dommage que la Morgana elle soit AFK en face, mais il va y avoir peut-être pas de problème, hein. On peut se faire... On peut avoir des petits problèmes de connexion, mais je sais pas. Là, je sais vraiment pas quel est son problème. Enfin, bon. C'est quand même bizarre qu'à ce niveau-là, on ne lance pas une normale ou une custom pour vérifier son ping avant de faire une classée, quoi. Enfin, après, cela dit, il peut toujours y avoir des problèmes en plein milieu de la classée. Hein. On a une box qui crame, je ne sais pas le moment où elle crame. Par contre, la vie, elle a fait l'erreur de vouloir jouer trop DPS, en fait. Donc derrière, elle douille à mort. Voilà. Alors j'aime bien jouer Rengar of Tank parce que... En fait, Rengar DPS et pénétration, ça marche. Ça marche même très bien. Enfin, il y avait une période... Enfin, depuis le récent hub de Rengar suite à son méchant patch. Je me tire. Je me tire parce que là, j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une très grosse connerie. J'espère que j'ai pas foutu mon top laner dans la merde. Si j'ai foutu dans la merde, c'est mauvais. Bon, il fallait forcément que je fasse une connerie à un moment ou à un autre. Ça, ça sera de jamais. Ça ne rate jamais. Bon, je fais du 3-2-1. C'est pas trop mal. Par contre... Est-ce que Darius arrive à se tanker comme il faut? Il va jouer masse tanky. Je vais me jouer max résistance magique. Parce que franchement, les seuls DPS viables qu'ils aient dans leur game sont en train de se planter lamentablement. Et donc, les seuls AD viables qu'ils aient dans leur game sont en train de se planter lamentablement. Donc je vais plutôt me tanker résistance magique là. Sur la résistance physique, je peux la péter quand je veux. Quand je veux, comme je veux. Ok, on t'a gueulé. C'est pas la peine d'essayer. Par contre, on va prévenir. There is the hunter. Ce sera qu'ici.
coup. Je tire. Parce que j'ai même pas mal. Mais juste un peu. J'ai craqué le gosse, c'est normal. Putain, ma silence. Alma Silence! La méchante. Voilà, impeccable. Moi je me tirais parce que j'ai un peu mal. Beaucoup tirer très vite parce que j'ai super mal et que là si Soraka nous fait un Starkle on meurt tous. Parce que là le Draven va prendre la bite. Oh, j'aime pas de prendre des décisions de ce genre. On va claquer la popo pour regen un peu plus et surprendre tout le monde. Câble. Impeccable. Par contre là, Rie est morte. Elle est forculée. Bon, je pense que dans 10 minutes ils se rendent. Ils ont pas le choix, on leur roule dessus, ils sont à 4v5. C'est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein, les AFK. Je suis tombé sur des rageux, hein. Moi c'est kiff kiff. Ouais là je pense que... Whose head shall I take? C'est terminé pour ouais, c'est terminé pour eux, c'est fini, on est à 4v5 et on est trop bien. On peut pas... Franchement, ce truc qui pourrait nous faire perdre, ce serait qu'on se mette nous-mêmes à fro, mais on n'est pas dans ce genre là. On est bien nous. Cool. Moi j'ai pas claqué ma férocité juste pour une petite tour à 200 points de vie. Voilà. The scent of prey. Oh. Ah, je vais récupérer une petite assist, comme ça, c'est bien. Catch the trail. La vie qui a fait un move un peu YOLO quoi. Ça c'est moche. There is the hunter and the hunted. Oh putain. Bah d'habitude j'ai réussi bien ces vols-là. I seek only the strongest. Ah, j'ai complètement oublié le Starkle. Zut. Zut, zut, zut. C'est con. C'est très con. Ah putain, mine de rien, ils sont partis se faire un Drake là. Ouais, bon bah ils l'ont fini. Enfin bon, c'est pas grave. Par contre, ce que je voulais faire, c'est que je vais par là. J'ai une trinket, donc je peux vérifier si oui ou non ils sont
apte à faire mon bleu. Donc c'est la bonne nouvelle. Ah, il y a du monde sur toi. Il y a du monde sur toi. Si Soraka, c'est pas de chance. Oh, c'est quoi ça? C'est votre Wardive? Voilà. On va remettre des wards un peu dans la jungle adverse. C'est un conseil qui était donné par Meteos. Si jamais vous gagnez en tant que jungler, enfin si tout volley gagne, wardez la jungle adverse. Surtout si vous décidez de split push. C'est pratique parce qu'un jungler ça fait la différence. Lorsque vous n'êtes pas groupé, et même d'ailleurs lorsque vous êtes groupé, un jungler peut faire la différence s'il fait une bonne engage. D'ailleurs c'est souvent le rôle d'un jungler off tank de faire des engages. Sauf en l'occurrence si vous appelez Rengar. Non, je plaisante. Si vous appelez Rengar, vous vous rendez invisible et vous bondissez sur l'ADC. Si jamais les gens savent que vous êtes invisible, parce que la nouvelle ultime, si jamais vous êtes en mesure de sortir... Si l'ennemi est en mesure de vous voir sortir de votre invisibilité, il reçoit un marqueur point d'exclamation, un peu comme Evelyn. Et dans ce cas-là, ils savent que... Enfin, l'ennemi sait que Rengar n'est pas loin, et dans ce cas-là, il peut se resserrer, et c'est pas mal de faire une combo, soit serré autour de l'ADC pour le protéger. Et donc une combo avec un personnage qui a de la OE, c'est pas mal du tout. Genre Leona, par exemple. Là, si j'ulti et qu'ils veulent protéger l'ADC, Leona n'a plus qu'à ulti à son tour, et puis ils sont tous stun, et on peut faire le meilleur engage du monde. C'est pour ça que j'aime bien le nouveau Rengar. Déjà, son ulti n'est plus aussi pété qu'avant. Mais il reste quand même très très efficace. Ah, là, je ne peux pas faire grand chose. Je vais me dire la seule chose que je pourrais faire là, c'est éviter de crever. Merde. C'est très con. Ça c'est très très con. Merde. On est en train de se faire défoncer. Ouf. Draven quoi. On a un petit problème sur les teamfights, je crois. Je vais éviter de passer par là. Je peux back là, y a aucun problème. Y a aucun problème. Je vais quand même me barrer ici. Voilà. Ok, alors, très franchement. C'est pas bon. Ouais voilà, c'était le problème de MR, là c'est bon. Je crois que côté MR je suis à 129, aucun problème. Derrière je me tanque un petit peu quand même. Genre je vais prendre une ceinture du géant. Bah, je vais me faire une cape solaire. Parce que les capes solaires c'est bien. C'est cool, ça m'engagera, ça m'incitera à aller davantage dans le fight. Parce que là très franchement je me le joue en mode super possible. Je fais 720 trop damage, ok, il faut les super vite. Surtout, je peux pas se faire outsmite comme des coups. Enfin tu me diras, ils peuvent pas vraiment compter. Mais bon, tout va bien. Sauf que j'ai un peu douillé mais tout va bien. I seek only the strongest. Moi j'ai encore vraiment toute sa place. Elle a fait l'erreur de vouloir vérifier son deuxième Nashor. Manque de bol, bah, elle l'a vérifié un peu tard. Voilà. N'hésitez pas dans les teamfights ou alors dans les phases de proc à stacker votre férocité sur les sbires. Alors là, bon, puisque c'est un temps mort, là, je vais répondre aux questions que vous pourriez éventuellement me poser. Pourquoi je ne joue pas Rengar DPS? Parce que Rengar DPS, c'est fragile. C'est-à-dire que ça jump dans un fight et ça se fait défoncer juste derrière. Rengar off tank, c'est pas mal parce que tout le monde le craint comme un Rengar DPS. Et en plus, bah, il tank. Ce qui permet de tenir un peu plus longtemps. C'est pas mal pour initier des fights et y rester.
Surtout que maintenant, ça peut la faire à quelque chose. Voilà. Sauf que là, on reste toujours un peu stuck. Là. Voilà, c'est bon, le Draven, il a une bonne idée. Le split push, il est excellent, surtout qu'on est en supériorité numérique. À mon plus grand regret, parce que franchement, ça fait que la classe est beaucoup moins passionnante, en fait. Dommage, j'y suis allé trop vite. Ah. Tu ne peux rien faire contre moi, Swank. J'ai 122 de résistance magique. Même si tu as pris la pénétration, même pas. C'est bien, voilà. Au début, ils vont focus. Et comme je suis un tank, j'ai réussi à survivre. Comme tout le monde était occupé à essayer de me... Ah, je suis désolé. Monsters can be made to fear. Ok, je vais me tanker encore plus. Oui, donc je disais, ils ont voulu me focus parce que ils ont dit, tiens, le Rengar, il a fait l'erreur de vouloir nous dive. Et en fait, ma team a suivi. Ce qui fait qu'ils ont perdu 3 gars dans l'opération. Et cela a coûté masse cher, tout ça. Ouais, ils ont perdu des... Je sais plus qui est mort chez eux, mais en tout cas, ça leur a coûté très très cher. Dans ce là, notre Draven, vous pouvez tranquillement faire. Hein. Elle est là. Voilà. Bon, là, c'est pas trop difficile. Hein. Franchement, il sera fait qu'il fait catch comme ça. Trop bien. Je faisais cuisson. Okay. Je pensais être un peu plus fort que ça. Ah, je fais n'importe quoi là, j'ai foiré un trap quoi. Non, c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Je crois qu'il faudrait plutôt focus la... Ouais. Ah, je suis super cher ça en fait. Bon, il va être temps de... Parce que... Oh, son Starkle fait vachement mal. Your turret has been destroyed. Bon, il va être temps de se ressaisir un petit peu là. Pour qu'on se ressaisir un petit peu en fait, il faut qu'on réussisse à choper l'Ace. Bon, comment on chope l'Ace? On attend tranquillement d'avoir un ghost, tu vois. Et après tu actives ton ulti. Lesser creature. Slow down. Voilà, ça s'en fait déjà un de moins. Maintenant je vais éviter de crever comme une merde.
Alors pourquoi ça a duré plus longtemps? Parce que j'ai 14 attaques et donc la durée de mon ulti m'a été augmentée. A true never rest. En fait, la Soraka est toujours là pour protéger ses carries, c'est ça le truc. Voilà pourquoi on se fait défoncer. Voilà pourquoi on s'en sort pas. Voilà, là on peut y aller. Sauf que voilà, problème. Super chaud, faut que je... Jenna. Ah bon, moi je suis mort. J'insiste pas. Là je vois pas vraiment ce qui se passe là. Si en fait la Soraka est trop bien dans sa game et nous défonce. Résultat, ils arrivent à se feed. Oh, ce serait dommage qu'on la perde celle-là, franchement. Ouais, il faut qu'on se bouge et qu'on ait un autre nashor. Effectivement. Le seul problème, c'est que là, on a un petit souci. Le jungler est actuellement mort. Là, vous jouez bien, vous pouvez la foutre. Ah, putain. Il pile le carry, en fait. Voilà, c'est que je vais m'acheter tout de suite la cape solaire. Là on va voir qui c'est qui fait le malin là. Alors qu'est-ce qu'on se fait? On se fait le nashor ou on préfère prendre la quête? Ah, c'est vrai que la quête n'est pas protégée là. Faut pas laisser passer une occasion comme ça. Sauf que le Darius... Ah punaise, il s'est fait gueuler. Donc là ça va encore finir dans un teamfight, sauf que là c'est un 3v3 que Darius perd les 3 quarts de sa vie. Et que c'est pas bon. Le bleu à notre ADC. Puis on n'a pas 36 solutions à un Nashor, ouais. Allez c'est parti. Alors, que je vérifie, je fais 850 true damage. Parce que là, à ce stade de la game, le pire... Forculé. Là le pire est arrivé, en fait j'ai bien compris ce qui s'est passé en fait. La Soraka et la vie foncent dans le tas, résultat on est trop concentré sur eux et derrière là, les deux carry font le café quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est exactement le même problème. On se fait tous défoncer comme ça. On se fait même ace. Non. C'est le... Ah, c'est pas bon, il est tout moche. Ah bah là. Bon bah c'est pas grave. Oh, perdre en 4v5, putain. Perdre en 4v5. Parce qu'on était trop confiants. Oh c'est con. Oh c'est trop con. Ah, c'est vraiment dommage. Donc ça va me faire du 6-3-1.
Ben vous savez quoi? J'ai une idée fantastique que de toute façon j'avais eu depuis la troisième game. C'est que je ne vais pas vous dire dans quelle division je finis. Je vais vous laisser la surprise et je vais faire une vidéo spéciale épilogue. Et puis c'est tout. Une vidéo épilogue dans laquelle je dévoilerai le palier auquel je suis arrivé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 10 vidéos. Et puis, bon, à partir de maintenant, tout de suite, si je fais des classés, je ne les filme plus. Je voulais simplement filmer mes games de placement. Dans un premier temps, pour me motiver à faire des games de placement en solo queue. Dans un second temps, cette série, elle pouvait également servir à vous dire est-ce qu'il est préférable que j'attende 3 mois, 6 mois, ou que je jump tout de suite en solo queue dès que j'atteins le niveau 30. Voilà, à titre indicatif, j'ai fait du 6-3-1. Donc grosso modo 6 victoires pour 4 défaites, dont une annulée. Et ce, après un an et 2 mois de League of... enfin, un an et 3 mois de League of Legends, parce qu'on est déjà en mai, mine de rien. Donc voilà. Voilà. Bon bah en fait, bon, j'ai joué mon Rengar. J'étais content, j'ai fait des moves un peu laids, j'ai fait des moves assez sympatoches. Le seul problème c'est qu'on ouais, c'est qu'ils ont très bien joué leur coup, c'est-à-dire que on envoie une vie DPS, une Soraka qui peut heal à mort comme elle veut. Et derrière, les carry font le café. Et en fait, si on focusait les carry derrière Soraka et Vi nous défonçait. Et si on focusait la première ligne, c'était les carry qui nous défonçaient derrière. Donc ils ont vraiment bien joué leur coup. Parce que je vois, là, j'ai aperçu entre autres que la Leona était un petit peu dégoûtée, oui, effectivement. Mais c'est eux qui ont bien joué. Ils nous ont forcé à prendre le focus sur la première ligne. Parce que, bah voilà, c'est tout. Si tu parvenais pas à repousser la première ligne, en fait, tu te faisais défoncer très rapidement avant même de pouvoir toucher les carry. Et donc, tu étais obligé de focus les tanks, entre guillemets, parce que, bon, la vie, elle se faisait DPS, elle avait juste acheté une Warmog. Et la Soraka, elle pouvait se heal comme elle voulait, elle avait un ange gardien, donc, ouais, effectivement. Enfin bon, c'est pas grave, voilà, c'était tout pour le débriefing, donc bah, je vous donne rendez-vous pour la vidéo épilogue. Elle va peut-être me prendre un petit peu de temps à faire, j'ai énormément de montage à effectuer, enfin du moins si j'arrive à faire la vidéo comme je veux, elle va prendre du temps. Donc si vous voulez tricher, vous n'avez qu'à faire une recherche de profil, comme ça vous saurez dans quel palier je suis tombé. Mais si vous voulez vous garder la surprise, eh ben... We'll be right back.